Non. On les connaît, hein, ces gens-là. On les connaît bon. J'aime pas l'idée de prendre le centre. Parce que l'idée, c'est de prendre son centre. J'aime pas prendre son centre. Je prends le centre. Quand je suis tout seul, il y a un centre. Quand on est à deux, des fois, quand on est à deux, il y a un centre. Il y a deux centres. Donc, je veux faire en sorte qu'il y ait un centre. J'appelle prendre son centre. Je vais prendre le centre de la technique. Ici. Là, je me cache. Je réduis la distance. Et je ferme. Le centre, c'est moi. C'est moi qui suis le cœur. Ok ? Ça, tu comprends la différence ? Allez, prendre son centre, l'idée, c'est une question de vocabulaire, hein. Mais l'idée, c'est qu'on se retrouve à des trucs. Vous avez une pointe sur le centre. Non, je fais en sorte que je devienne le centre. Et s'il faut, S'il faut, je viens me placer ici pour devenir ce centre. Marche. Encore une fois, la marche. Faites pas les ici. Il y a de la distance, vous fermez. Devenez le centre. Et encore une fois, il n'y a pas d'importance, c'est un truc très égoïste. On se soucie que cette position à soi, ou son axe. Et tout ce qui est dans le truc, ça se prend dans l'axe, sans vraiment trop avoir réfléchi. Mécaniquement. Je ne vais pas prendre son centre. Je vais faire en sorte que la contrainte ici, la poussée, se place sur mon centre, se place de façon verticale par rapport à mon centre. Je me montre tout son centre. Pas mon problème. Mon problème, c'est de gérer cette contrainte sur une façon qui est verticale pour moi. Et ensuite, je ne suis pas allé prendre son centre. Je ne suis pas allé jusque-là. Et en plus, si vous parlez de prendre le centre du partenaire, comment ça se traduit une fois que vous faites du styling? Quand vous avez deux personnes, ou trois, vous prenez trois centres, vous rigolez? Non, vous êtes toujours au centre, vous. Ici. Mais ce qui est intéressant, c'est que je rassemble sur moi. En plus, vous pouvez vous amuser, s'ils sont idiots, vous continuez à faire comme ça, vous avec les gens. Il n'y a qu'un centre. C'est une illustration, hein, c'est pas une application. Je ne l'ai pas. Mais c'est il n'y a qu'un centre. C'est comment je gère ça, encore une fois, dans cette ligne-là. Il y a 3, à 4, ce que vous voulez. Donc j'attaque pas le centre de l'un et de l'autre. J'ai libéré la jambe avant. Okay. D'où l'intérêt de la tennis, c'est pour lui garder la tension. En fait, ce que j'ai fait, je l'occupe ici. Ce que j'ai fait, c'est qu'il ne le sait pas, mais il se sert de ma main pour garder son appui. J'ai supprimé son appui sur la jambe ici, et il se sert de ma main pour son appui, il ne le sait pas. Parce que si on ne le sait pas, il est bien dessus. Donc je passe, je garde l'appui ici. Je garde la petite, je garde la petite, et tout d'un coup, je l'enlève. J'enlève la jambe. Okay. Il y a le contact ici, sur le bras ici, sur l'épaule ici. Même pas forcément là, il y a l'épaule. C'est même pas important ça.
Mais mon attention est ni ici, ni là. Elle est là, c'est dérangé. Le chat, c'est la hanche. Qu'est-ce qu'on va dire ? Je veux le placer dans une situation où il manque d'appui. Hier, c'était sur catégorie. Je place sur un appui ici. La plupart de son appui sur sa jambe droite. J'ai relevé l'axe ici de son épaule, ce qui a enlevé de l'appui de sa jambe gauche. Donc là, plus l'athémie, la confusion liée à l'athémie. Il ne se rend pas compte qu'il est sur la jambe droite, mais plus sa jambe gauche, mais son bras gauche. Et du coup, quand j'enlève le bras gauche, après, quelle que soit la technique, je me souviens plus de la technique qu'on a fait hier, mais c'est ici. Vous avez travaillé sur la jambe, alors que tous les contacts étaient sur les mains. Je tiens ni là, ni là. C'est juste des contacts. Ici. Je pourrais prendre ici, peu importe. Où que ça arrive. Prends plutôt ici, peu importe. Travaille. Le point de contact est ce qu'il est. Sur une saisie, le point de contact est ici. Mais je travaille quand même sur le dessus de l'épaule. Okay, je fais ce dont j'ai. Ce qui est à ma disposition, j'utilise pour mettre ça en jeu. Donc là, ça veut dire contrôler, dérouler un certain nombre d'articulations pour aboutir à l'épaule. Quand c'est moi qui touche, j'ai les mains quelque part. Il faut que j'identifie le point que je veux, sur lequel je veux agir. Je fais le déséquilibre sans pousser. Mais en aucun cas, je suis en train de faire quelque chose comme ça. Pour lui, c'est exactement ce qu'il attend. Okay, c'est pour ça que c'est ce qu'il attend. Donc il va lutter là-dessus. Mais la hanche. C'est la personne. Vous comprenez, c'est toujours comme ça. C'est la main qui ne travaille pas, donc c'est l'endroit sur lequel on ne regarde pas, qui travaille vraiment. Ok, ça va? Allez.